Dans ces containers, deux avions de chasse MiG-21. Voilà ce que les autorités panaméennes ont découvert à bord d'un navire nord-coréen intercepté ce mois-ci. Le cargo avait quitté Cuba et tenté de rejoindre la Corée du Nord par le canal de Panama. Les avions de combat soviétiques ont été trouvés à côté de missiles et d'autres pièces d'armement. Leur réservoir contenait du carburant. Nous avons formalisé les charges qui pèsent contre l'équipage et nous mettons en place un processus pénal. Par ailleurs, nous avons pris contact avec le Conseil de sécurité de l'ONU afin que ses experts puissent venir ici et déterminer une possible violation d'une des résolutions des Nations Unies. Un embargo très strict pèse sur la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang ne peut en aucun cas importer des armes. De son côté, Cuba affirme que la cargaison ne contient que des armes obsolètes envoyées à son allié nord-coréen pour qu'elles soient rénovées puis renvoyées.